Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou Corentin. Coucou. Et ben alors, ta sœur, elle est pas avec toi aujourd'hui? Non. Non? Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh oui, elle joue à la pâte à modeler. Bon. Aujourd'hui, tu vas nous faire de la cuisine, c'est ça? Oui. Oui? Tu vas nous faire des spaghettis en chapelet avec des knackis. Ouh là là! Ça a l'air compliqué, ça. Hein? C'est compliqué? Je pense pas. On va essayer. On va essayer. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Il nous faut des knackis. Des knackis, oui. Des spaghettis. Alors attention, ce sont des spaghettis cuissons 3 minutes. Une planche, une assiette. Il nous faut aussi une passoire, une casserole remplie d'eau et une cuillère. Et bien sûr, un couteau parce qu'on va devoir couper les knackis. Alors tu nous mets à chauffer l'eau, c'est ça? Alors on va faire bouillir l'eau. Voilà. C'est bon? Maintenant on va pouvoir attaquer la recette? Oui. Allez, on attaque. Alors, en fait, on prend un knackis. Hein, et après, on le coupe. Je crois que ton couteau est à l'envers. Oui, je pense. Voilà. Et on le coupe. Donc des petits bouts. Donc on va faire tous les knackis? Oui? Oui. Ok. Il y en a 10, je pense. Il y en a 10, oui. Alors on va couper toutes les knackis. Oh ben Océane nous a rejoint du coup. Corentin a presque fini de couper toutes ses saucisses. Ça en fait beaucoup quand même dans l'assiette. Hein? Oui. Ouais. Alors, maintenant que tu as fini de couper toutes les knackis, qu'est-ce que tu vas faire avec ta soeur? On va les planter dans les spaghettis. On va planter les spaghettis où? Dans les knackis. Ah, on va comme faire un collier de knackis. En fait, on va faire un collier de knackis, c'est ça? Oui. Et c'est ça. Ok. Ça ressemble à ça. Bah alors, je vous regarde. Montrez aux petits copains un peu comment on fait. Alors, comment est-ce que tu vas nous faire ces chapelets de spaghettis au knackis? Alors, on prend 6 spaghettis. 6 spaghettis. À knackis. Ouais, et après? On y met 2 dedans. C'est cool ça. Et ça a l'air bon. Ouais, chouette, comme un collier. Regardez, comme ça. Ouais, trop chouette. On a fait la charade, hein. C'est pas grave, fais voir ce que ça donne un peu. Montre-moi. Ah, c'est cool. Hop, c'est moi dans ma un. Alors ça, on en a déjà fait un. Et voici à quoi ça ressemble. C'est cool ça. Et ça, on va les mettre à cuire pendant 3 minutes. Donc on va faire tout le paquet de spaghettis parce qu'il y en a pas mal à faire et on vous retrouve tout de suite après. Après. Oh, ça y est, tu as fini? Ouais. Oui? Ouais. Oh là là, mais ça en fait beaucoup. Alors maintenant, on va les mettre à cuire. Oui, et c'est je vais saler l'eau. Ah là-bas. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de saler l'eau des pâtes. Alors, tu sales l'eau, ok, on sale bien l'eau. Donc voilà, on a mis toutes les spaghettis à cuire. Et maintenant, on va les mettre bien au fond. Et on va les laisser cuire pendant 3 minutes. Et quand ce sera cuit, on va les égoutter. Encore, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors,
tu viens devant le saladier. Est-ce qu'elles sont prêtes? Waouh! Je vais mettre un tout petit peu de beurre. Quand un même. Petit peu de beurre? Ouais. Je pense que tu peux en mettre un petit peu plus quand même. Et voilà ce que ça donne. Waouh! Eh bien, on va passer à table, mais en attendant, abonnez-vous. Au revoir. Au revoir. Toujours numéro 1, tout est super génial. Oh, trop bien, j'adore cette chanson. Tout est super génial.